Et salut tout le monde les amis, c'est PleurGamer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Soul Last Recollection, l'épisode 85. Donc je vous retrouve ici les gars, avant toute chose, si la vidéo vous plaît à la fin, n'hésitez pas, le petit j'aime, le petit abonnement, le petit commentaire sur YouTube, ce serait super plaisir. N'hésitez pas aussi à follow Twitch et TikTok, on stream tous les vendredis et samedis, sauf malheureusement alors vous voyez ce week-end, car ce week-end je ne suis pas chez moi. Donc voilà, vous inquiétez pas, mais du coup en général voilà, on stream tous les vendredis et samedis, donc n'hésitez pas quand même à venir sur Twitch. Bref, let's go. Donc je retrouve ici, aujourd'hui on va faire la story de Lisbeth. Donc voilà, comme prévu, hein, j'ai avancé le donjon c'est exactement le même, enfin il attend le même avec une variation parce que la tablette disait pas vraiment la même chose, donc il fallait emprunter des portes différentes, mais globalement c'est la même chose. Et quoi d'autre après? Non, bah après c'est tout, hein. Donc voilà, donc du coup, story de Lisbeth, j'ai tabassé le boss une fois, et du coup je retrouve à l'hôtel de cérémonie, donc c'est parti, par ici. Ah. Ah merde, mon jeu a bugué. Qu'est-ce que... What? Allô? Ah voilà. Quoi? Tu y vas déjà? Attends une seconde. Ok, je sais pas pourquoi mon jeu était figé. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Détends-toi, Liz, il n'y a aucun danger. Kirito, bon sang, dans quoi on s'est encore fourré? Ah, et là, les gars, nous allons voir... Oh, elle est différente! Mais non. Oh, la dingue! Ah non, ah, je croyais. Ah, oh, je suis déçu. Ah, oh, je suis déçu, ça va être la même, je suis sûr. Ouais, ah, ouais, c'est exactement la même. Oh, c'est con, il y a zéro effort, hein, c'est dommage. Et ouais, c'est exactement la même robe de mariée, frère, ça va aussi. Cela dit, ça va bien Lisbeth, parce que le rouge lui va bien, tu vois, mais putain, quoi. Genre, t'imagines que tu vas avoir cette robe-là rouge sur l'IFA? Non, mais t'es en mode, ouais, wesh, frère, elle est pas bonne. Elle est pas belle, ça aurait été une robe verte pour l'IFA, ça aurait été trop bien. Putain, mais ça haut, là, vous avez aucun style, la merde. Ah, on a la tenue de mariage blanc, hein, à noter, les gars, la fois dernière avec Alice, on avait la tenue de mariage noire. Et d'ailleurs aussi, c'est vrai, petit aparté, je reviens sur ça, sur le P précédent. J'ai merdé, du coup, parce que Alice fait partie du DLC 2, donc Ritual Band Vol 2, et Azuna Ritual Band Vol 1, donc du coup, j'aurais pas dû faire Alice sitôt, mais bref, tant pis. My bad. Pew, c'est terminé. Hein? C'est quoi ça? Est-ce que... Waouh, ça m'a donné une robe. Oui, on change de tenue en entrant dans cette salle. Il est plus surpris, Kirito. Oh, attends, si tu le savais, tu aurais pu me prévenir, ça m'a fichu la trouille. Comment ça? Je croyais qu'Azuna t'avait déjà tout dit. Ah, il marque un point. Il a raison. Pas tout, non. Ok, tu crois qu'elle a fait exprès de pas m'en parler? D'ailleurs, c'était... Ouais, c'était R1, ok, d'accord. Ouais, pour la screen. Ce n'est pas vraiment son genre. Ouais, elle a oublié, quoi. Ce n'est pas bien grave, ça m'a un peu surprise, mais c'est plutôt sympa. Je dois dire que ça te va très bien. Ouais, je suis du même avis, honnêtement. Vraiment, tu n'es pas mal non plus. Ah, ça. Mais il déteste ce costume, Kirito. Merci, ça me fait un peu bizarre, mais je vais devoir m'y faire. Ah, il a upseté la tenue, ça y est? Je vois, ce n'est pas désagréable, je trouve. Je dirais même l'inverse. Content que ça te plaise, allons-y, on a un rituel à accomplir. Yes. Avec des tenues assorties en plus. Oh, je vois que tu te prends en jeu. Quoi? Pas du tout. On n'a pas le choix, pas vrai? C'est pour le rituel. Eh oui. Eh oui, c'est pour le rituel, attends, allons, qu'est-ce que t'insinues, Lisbeth? En parlant de ça, le rituel se déroule autour de cet engin. Oui, bon, ça, ok, on sait. Arrête deux secondes, cette robe n'est vraiment pas pratique, en fait. Ah bah ça, les robes de mariée, voilà, quoi. Alors, quelle est l'idée? C'est à ce qui paraît que les robes de mariée, voilà, tu bouges pas trop, hein. Il y a des renfoncements en forme de main, les deux côtés de l'appareil, ok. Je vois. Eh oui. Des capteurs vont en sortir, on est censé tendre les mains vers eux. D'accord. D'accord, comme ça? Comme ça, oui. Je vais faire pareil de mon côté. Ok. Bueno, bueno. Bon, à 3, on tend nos mains. Compris.
C'est parti. 1, 2, 3. Oh, et l'œuf va se créer. Alors, quelle couleur? Parce qu'on a eu un œuf rouge, un œuf bleu. Oh non, encore un œuf bleu. Non. Du calme, tu peux retirer un temps. Putain, il y a vraiment zéro effort dans ZLC. Hein. S'il est bleu, il y a zéro effort. Il est bleu. Ah, il est bleu, les gars, c'est sûr. Oh, vas-y, non, il y a zéro effort. Non, bah, du coup, je pense qu'on a pigé. Hein, ceux du vol 1, ça va être bleu. Et ceux du vol 2, ça va être rouge, hein, à tous les coups. Oh, qu'est-ce que c'est magnifique. Oh là là, vas-y, je suis déçu. Pour commencer, on doit le prendre avec nous. Ok. Alors, ce truc qui ressemble à un œuf, c'est le berceau des liens. Oui. Oui, apparemment, il contient un amas de ressources. Très bien. Il est intéressant, il faut qu'on le ramène avec nous, c'est ça? Ouais, on va devoir accomplir un rituel pour imprégner de nos émotions. Hein? Ah, c'était donc ça. Tout va bien, Liz? Oui, ça va, super. Azuna m'a plus ou moins dit à quoi m'attendre. Ok. Le hockey, frère. Terrible. Il est dévastateur, celui-là, de hockey, hein. Putain. On dirait qu'on est sorti indemne de la salle rituelle. Oh, bah en même temps, qu'est-ce qui pourrait arriver? Oh, nos vêtements deviennent normaux une fois qu'on sort, je vois. On les retrouvera quand on retournera dans la salle. C'est vrai, cool. On pourra de nouveau s'admirer l'un l'autre dans ses belles tenues. Oh oui. Tu m'as l'air bien enthousiaste à cette idée. Hein? Mais je suis content qu'on soit venus ensemble. C'est cela, oui. Enfin, si tu le dis, je te crois. Ah. Ouais, c'est je te crois, mais je te crois pas, quoi. Non, on connaît, on connaît. On connaît les virgules de ce style, attends. Pas à nous. Ok. Ok, bon. Bah, c'est parti, les gars. Partie 2, maintenant. Le verso des liens, le plus croustillant, j'ai envie de dire. Tu étais incroyable, Kirito. Ouais, bon, ça, ok. Toi aussi, Liz, il ne reste plus qu'à utiliser. Oui, ça, on connaît, on sait, on sait. On doit l'imprégner avec nos émotions, c'est ça? Oui, c'est ça. Viens dans ma loge. Bingo. Ok, je comprends mieux maintenant. C'est donc de ça que parle Azuna. Tu es sûr que ça va, Liz? Tu n'es pas fatigué? Quoi? Non, ça va, vraiment. Je crois que j'ai compris ce qu'on est censé faire. Je suis prête, alors préviens-moi quand tu voudras y aller. Ça marche. Eh ben, nous allons y aller maintenant, bien évidemment. Berceau lien bleu pur. Bleu pur? Attends. Y a pas un truc objet? Gérer les objets? Berceau des liens, ça serait dans quoi là, non? Non? Objet de valeur? Ah, peut-être ça, non? Ah oui, berceau des liens bleu pur. Ah, mais j'ai pas le reste? Ah merde! Ah, je les ai pu! Ah oui, je les ai pu parce que. Ouais, d'accord, je pense avoir compris. En vrai, je les ai plus parce que je les ai remis à l'hôtel, on va dire. Mais bon, on les voit pas dans l'hôtel, c'est un peu con, mais bon. Imprégner le berceau des liens, c'est parti. Avec les bateaux. Ah, d'ailleurs, il n'y a plus Azuna, c'est marrant. Ah, voici la CG, El Famoso CG de l'Isobato. Donc voilà, alors analysons cette tenue de nuit. Petite tenue orange, ça lui va bien. Hein, c'est carré, de toute façon, ce qui est rouge, orange, rose, ça lui va bien, j'avoue. Clairement, donc carré, la pose elle est classique, ouais, bah digne de Lisbeth quoi, donc ouais, voilà, classique, mais c'est bien. Alors, voilà notre berceau des liens, oui. Ça te fait quoi de le tenir comme ça? Je ne pensais pas qu'il serait si lourd, en plus, il est vraiment bien fait. Ni trop simple, ni trop complexe, son créateur était méticuleux. Ah, je n'entendais pas moins de Lisa Forgeron. Ah, ça j'avoue, bien vu, bien vu. Et comme le disait Azuna, il est chaud au toucher. C'est vrai que ça, c'est bizarre quand même. Hein. Ah oui, c'est sûrement dû aux ressources qu'il renferme. Sans doute, c'est un vrai petit bijou. Je parie que s'il est clos et qu'on libère ses ressources, il se passera un truc génial. Comme quoi? Je ne sais pas trop rien. Je ne sais trop rien moi-même. Hein, tu ne sais rien? En tout cas, c'est important, non? Alors remplissons-le de nos émotions. Ouais, alors quel souvenir on va parler en vrai? Moi, je pense qu'on va parler de Sao, en vrai, de leur rencontre, c'est sûr. Comme tu dis. Je dois t'avouer que ça me rappelle quelque chose. Oh, quoi donc?
Oh, elle est sympa, le visage de Lisbeth, là, celui-là, j'aime bien. Et je sais pas, il est un peu moins commun. La fois où on a dormi comme ça à Enkrad. Oh, quand on a passé la nuit dans les toilettes du dragon. Sacré souvenir. Oui, et ne dis pas ça comme ça, mais oui, on voit les étoiles. Ouais, la fameuse, rappelez-vous, hein, dans un des trous du dragon. Je ne savais pas quoi penser de toi quand tu m'as dit que tu paierais plus tard. Ouais, j'avoue, c'était un brigand à l'époque. Vraiment, j'avais l'air si louche que ça. Je n'étais pas là pour ça, alors j'ignorais que tu étais un de ces complétionnistes. Ah, ça fait tellement longtemps qu'on ne l'avait pas dit, et ça me rend nostalgique. Et du coup, ça, normalement, les gars, attention, hein. Attention. Parce que là, je vous dis en mode, ouais, on l'a vu dans l'anime, mais en fait, non. Normalement, là, je pense que le souvenir qu'elle doit parler, c'est le souvenir de Holofragment. Jeu que nous n'avons pas fait encore sur la chaîne. On le fera un jour, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Tu faisais tout gamin, pour être honnête, tu n'avais pas vraiment l'air fort. Ah, c'est pas faux. C'est pas faux. Enfin, dans le jeu, en vrai, dans le jeu, il est plutôt normal, mais si on se base sur l'anime, j'avoue, c'était un peu gringalé à l'époque. Sans compter que t'étais pas très sympa, fallait pas t'approcher. Ah, c'est doublement vrai. Quoi, à ce point, vraiment? Ah non, c'est vrai, il a changé, Kaito. Hein. C'est vrai, c'est en passant du temps avec toi, avec moi et Asuna que tu as pu t'ouvrir. C'est vrai. Tu t'en souviens, pas vrai? Je pense, oui, c'est vrai que je ne peux pas le nier. Eh, je crois que tu nous en dois une belle. Ouais, ça va. Ah, mais qu'est-ce que je raconte, moi? C'est pas ça qui va remplir notre œuf. Non, d'après les notes, parler du passé fonctionne tout aussi bien. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, on en a fait du chemin. Ah, c'est vrai que Lisbeth est là depuis le début. Ça oui, vos comptes de haut niveau nous ont sauvé la mise, rien que de les voir. Vraiment, avec Alice et Eugéo, je ne pensais pas que tu en aurais besoin. Sérieux? Tu m'as pourtant tiré d'une mauvaise passe avec ton compte divin. C'est vrai? Sans rire, c'était tellement énorme que tu as débarqué sous la forme d'Inia. Arrête, tu vas me faire rougir. Mais je t'avoue que je me suis senti cool. Ah ouais, là, elle était cool, Lisbeth. Tu n'as jamais cessé de veiller sur moi depuis notre rencontre. Merci. Kirito? Oui? Ça t'ennuierait de tenir le berceau avec moi? Oh, non, pourquoi? Ben, tu ne crois pas que ça le remplirait plus vite? Ah, il y a moyen. Ah, d'accord. Il est vraiment très chaud. Oui, je ne pensais pas à ce point. Eh, ouais. Qu'est-ce qui te fait rire? Je me disais juste qu'on peut trouver de la chaleur partout. Bref. Tu veux bien rester un peu comme ça? Bien sûr. Merci. Ok! Ah, oui, c'est vrai. Je me fais à chaque fois avoir, ça fait deux fois. Hein. C'est vrai qu'il y a toujours une deuxième partie. C'est déjà le matin? Ah, enfin debout, salut! Salut, Lise. Désolé de m'être levé si tard. T'inquiète, ce n'est pas ta faute, et si je me suis levé avant toi. Et puis, tu m'avais l'air si bien que je m'en serais voulu de te réveiller. C'est vrai? Il me semble que j'ai fait un rêve. Oh, quel genre? J'étais dans une boutique avec une bonne ambiance, tout le monde riait. Une boutique avec une bonne ambiance. Ouais, ça c'est flou, mais je crois que vous étiez là, toi, Azuna et les autres. Ça me fait directement penser au café d'Agile, mais bon. Bref, on partira dès que tu seras prêt. Hein? Pour aller où? À la salle du rituel, pardi. Ah oui. Eh, pas encore réveillé, hein. Tu devras aller te laver le visage. Ah oui. Ça fait deux fois, hein. Alice a dit la même, hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, ok les gars, les ellipses, on se retrouve à la salle du rituel. À tout de suite. Et re, c'est parti. Ah, on a encore changé de vêtements. Ouais, on n'a pas vraiment le choix dans la salle du rituel. Eh oui. Ouais, je sais bien, ça me fait quand même bizarre. Vraiment, moi je trouve que ça te va très bien. Ah oui, merci, ça me fait plaisir, je crois. Je crois. Et ta tenue est plutôt cool aussi, tu sais. Merci. Bon, et si on s'y mettait? Oui, commençons. Yes. Commençons le rituel, on va donner l'œuf. Allez, c'est parti. Ah, du coup, d'ailleurs, vu que c'est le deuxième, et si y a l'œuf d'Azuna, peut-être, non? On doit insérer le berceau lien là-dedans, c'est ça? Exactement comme ça, ouais. Alors, est-ce que là, peut-être? Parce que Alice, tu vois, on s'est fait baise parce que c'est le volume 2, mais là. Ah, ouais. Regarde comment ça brille. Ouais, il y a l'œuf d'Azuna. Ah, c'est ça, les gars.
Ah, c'est ça, c'est Banger. Bah, du coup, je me demande ce qu'il va avoir, du coup, une fois qu'ils sont tous là. Ah, c'est ça, parfait. Bon, par contre, c'est un peu con d'avoir fait vraiment deux DLC qui se ressemblent. Après, c'est pour avoir toutes les waifus, mais. C'est dommage. J'aurais bien aimé deux DLC différents quand même, quoi. Ah, il est pas totalement pareil en fait. J'ai été médisant. Hein. Ah, celui-là d'Azuna est bleu foncé. Et celui-là de Lisbeth est bleu clair. Ah, donc peut-être qu'on aura d'autres couleurs. Enfin, du moins, j'espère. Ah ouais, ah, je pensais que c'était totalement le même. En fait, non, c'est pas totalement le même. Ça brille vraiment très fort. Tu es sûr que c'est normal? Oui, c'est normal. Oui, t'inquiète, passons à la dernière étape. Ah oui, le fameux je jure. Qu'est-ce qu'on va faire? Tendre les mains vers la machine et réciter le serment solennel ensemble. Je dois mettre la main au-dessus du renfoncement, c'est ça? Oui. Oui, je vais le dire en premier, tu pourras le répéter ensuite. Oh, c'est maintenant que ça se passe. D'accord, pfiou, quel stress. Alors. Ah, c'est parti. Tu veux souffler un peu? Non, je n'ai qu'à répéter ce que tu dis, pas vrai? Oui. Ah, il faut quand même que tu inverses ton nom. Sans blague, bon, bah vas-y. Ok. Moi, Kirito, je suis venu à bout de l'épreuve des sauts avec Lisbeth. Youpi. Oh, c'est mon tour, c'est ça? Moi, Lisbeth, je suis venu à bout de l'épreuve des sauts avec Kirito. Avec Lisbeth, je surmonterai les difficultés qui me guettent. Avec Kirito, je surmonterai les difficultés qui me guettent. Jusqu'au jour où les nuages noirs sont désertés le ciel, ouais. Pour finir, on doit tous les deux dire, j'en fais le serment. D'accord, j'en fais le serment. Ah, let's go. Ok. Ça en fait 3, parfait. Et voilà, on a réussi. Oh, regarde, j'ai pu garder la robe. C'est trop bien, tu ne trouves pas? Tu as l'air folle de joie. Je te rappelle que je suis bien une fille, normal que j'aime les jolies robes. Ah, c'est vrai, ça te va super bien. Merci, mais c'est un peu dommage. Quoi donc? Que tu te fasses arnaquer alors que je garde ma tenue. Ah, je vois, bah ça me dérange pas de ne pas la porter que, de ne la porter que pour le rituel. Tu es sûr? J'aurais vraiment aimé qu'on ait chacun notre tenue. Je comprends, quoi qu'il en soit, tu devrais être réjoui de regarder la tienne. Oui, c'est vrai, je vais en prendre soin. Ah. Ok, bon, normalement, je pense que c'est bon. Pense que c'est bon, à mon avis. Ah, le petit épée, bien évidemment. Bon, bah voilà, merci d'être venu avec moi, Lise. C'est plutôt moi qui te remercie. Pff, on est déjà de retour. Il y a un problème, il te reste des choses à faire là-dedans? Non, ça faisait longtemps qu'on n'était pas partis en tour ensemble. Ah bah là, elle dit pareil qu'Azuna. Ah, je vois. Kirito, on pourrait peut-être y retourner un jour, rien que tous les deux. Ça me va. Tu as intérêt à t'en souvenir, mon vieux. Mon vieux. Ah putain, terrible. Nice, Ritual Band Lisbeth terminé. Let's go, une nouvelle tenue. Une nouvelle tenue, la tenue du Ritual là est disponible pour Lisbeth. Ok, parfait. Appris esprit connecté. Nice. Et ben voilà les gars, on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez plu cet épisode 85 de Saul Last Revolution. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas encore une fois le j'aime, l'abonnement, le commentaire, ce serait super plaisir. N'hésitez pas à follow Twitch et TikTok. Voilà, on stream tous les vendredis et samedi. N'hésitez pas. Voilà, tout simplement. Allez, ciao les gars et tout le monde. Ciao.
Ciao, ciao, la bise.